purification, une purge qui restaure le pouvoir qui est en train d'avoir lieu maintenant. And there is a church, a movement, an army, et il y a une église en mouvement, une armée been born from the place of purging. Qui est née du lieu de la purge. They had to go through Gilgal. Ils devaient passer par before Gilgal they will take Canaan. Afin de passer par avant they d'arriver had to à Canaan. Go through the grinding stones of Gilgal. Ils ont dû passer par la circumcision of their foreskins, le moulin pour la circoncision de leur prépuce afin de pouvoir prendre le washing of their iniquities, pour la purification de leur iniquité. The church will need to go through that. L'église doit passer par là if it must regain her power. Si elle doit recouvrer sa puissance. Today, aujourd'hui, if you want God to take away the filth of your own life from you, si tu veux que le Seigneur ôte de ta vie ton impureté, confusion and contradiction, qui a apporté des confusions et des contradictions, I want you to leave that seat and begin to run forward. Je veux que tu quittes ton siège et que tu viennes ici devant. Because we want to make a pure and a clean sound today. Parce que nous voulons produire un son pur et propre. If you want the Lord to take away the filth, si tu veux que le Seigneur ôte l'impureté de ta vie, the filth that has brought so much confusion, l'impureté qui a apporté tellement de confusion, I want to leave that seat and come forward. Et que toutes ces personnes viennent devant. Let God arise. Que Dieu se lève. Let him dismantle the present system. Qu'il démantèle le système présent. And build a new system that works. Et qu'il bâtisse un nouveau système qui marche. I am tired. Je suis fatigué. I am tired. Je suis fatigué. Ah! Oh! That leprous man said, I have no one. Ce lépreux avait dit, je n'ai personne. Quand l'eau est agitée, so take me to the water. Pour me jeter là-dedans, I am tired. Je suis fatigué. God needs to do something new. Dieu doit commencer à faire quelque chose de God nouveau. Needs to do something new. Il faut que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. I cannot do without you. I cannot do without you. Est-ce que tu peux commencer à inviter le Seigneur to set the throne of judgment in your life. De mettre, d'envoyer, d'établir le trône de son jugement dans ta vie. And by the spirit of burning, et que par l'esprit qui consume, the spirit of consecration, l'esprit de consécration, begin to pull down the strange walls, qui commence à renverser les murs étranges, strange infirmities, et les infirmités, secret iniquities, les choses secrètes, light-hearted lies, le mensonge, deceit, la tromperie, dismantle them in my life. Démantèle-les de ma vie. Let them burn. Qu'ils se consument. Let them catch fire. Qu'ils prennent feu. Tell the Lord. Dis au Seigneur. Set on fire. Mets en feu. Every attribute in my life. Tout attribut dans ma vie. That does not speak your righteousness. Qui ne parle pas de ta justice. Let me burn now. Que cela brûle maintenant. Let me be purified now. Que je sois purifié Let maintenant. Let me be set free now. Que je sois libéré According maintenant. Isaiah chapter 4 verse 4. Cela Isaïe 4 verset 4. Take away my filthiness. Enlève mon impureté. Tell the Lord to begin to dismantle your body now. Demande au Seigneur d'enlever ton vieux vêtement. In your life.
et d'enlever tous les dommages that your mistake has made. Toutes ces choses que tes erreurs ont bâties. Dismantle and repair. Qu'il démantèle et qu'il répare. Dismantle and repair. Qu'il démantèle et qu'il répare. Dismantle and repair. Qu'il démantèle et qu'il répare. Can you begin to cry unto the Lord? Je ne t'entends pas crier à Dieu. Take your knife and circumcise me now. Seigneur, circoncis-moi maintenant. Take your knife, oh God, and circumcise me now. Oh Seigneur, prends ma vie et circoncis-la. Take your knife and circumcise me now. Prends ma vie et circoncis-la. This darkness must disappear. Cette ténèbre doit disparaître. This impotence must go. Cette manque de puissance doit partir. Take your knife and circumcise me. The impotence must go. L'impuissance doit partir. Tell the Lord, restore my power as a woman. Oh, Seigneur, restaure à nouveau ma puissance. Restore my anointing as a woman. Restaure mon onction en tant que humain. Release the power to crush the head of the serpent. Libère ta puissance pour écraser la tête. Oh God Almighty. Oh, la puissance. Let that power walk in my body. Que ta puissance coule dans as mon corps. As a woman. Comme crush the head of the serpent. Que j'écrase la tête du serpent. Crush the head of the serpent. Que j'écrase la tête du serpent. Oh God, crush the head of oh, the serpent. Oh Seigneur, écrase la tête du serpent. Somebody shout, crush the head of the serpent. Répétez, écrase la tête du serpent. Crush the head of the serpent. Écrase la tête du serpent. Crush the head of the serpent. Écrase la tête du serpent. Crush the head of the serpent. Écrase la tête du serpent. Ask him to blot away the handwriting of ordinances. Demandez-lui d'effacer toutes les actes des ordonnances contraires. That accuse you every day because of your mistake. Qui t'accuse tous les jours devant Dieu. Secretly and openly. Secrètement et ouvertement. The blood of Jesus. Que le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Let the blood of Jesus speak now. Que le sang de Let Jésus. The blood of Jesus speak now. Que le sang de Jésus parle. Let the blood of Jesus speak now. Que le sang de Jésus parle. Somebody shout the blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Can you begin to groan unto the Lord to restore your life for you? Commence à demander au Seigneur de te restaurer ta vie. Restore the glory of my life. Dis-lui, Seigneur, restaure ma vie. Restore the crown on my head. Restaure la couronne sur ma tête. Restore power in my body. Restaure ta puissance dans mon corps. Put on the lights in my spirit. Mets ta lumière dans mon esprit. Put on the lights in my body. Mets ta lumière dans mon corps. Arise, oh God. Lève-toi, oh Seigneur. Give me power tonight. Donne-moi la puissance ce Give matin. Me power today. Donne-moi la puissance aujourd'hui. Power over the heavens. La puissance. Power over the earth. Sur les cieux et la terre. Power of the kingdom to come. La puissance. Power of the kingdom to come. La puissance pour faire venir. In the name of Jesus. I receive power. Je reçois la puissance. Somebody shout, I receive power. Je reçois la puissance. I receive healing. Je reçois la guérison. I receive forgiveness. Je reçois la délivrance. I receive power. Je reçois la puissance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Can you then begin to decree now? Every sentence upon your head. Toute sentence sur ta tête.
Let it disappear now. Qu'elle disparaisse maintenant. Open your mouth and begin to command every ouvre sentence ta bouche to et, de, et commande que toute sentence se against you. Disparaisse. Whether by the enemy or que by ça, your environment ça vient de or the community ou de la or the laws of your nation, les lois de ta nation, anything that has stood you naked, tout ces go out, que ça out, bat, out, bat, out, bat, begone. Bat, maintenant. Let the sentence on my head be removed. Que le jugement sur ma vie soit ôté. Every sentence be removed. Tout jugement soit ôté. My Father, strip my life of all sentences. Seigneur, ôte les yeux du jour. Que cela parte. Somebody shout go. Quand tu parles. Go in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Somebody shout go! Bah! Go in the name of Jesus! Va-t'en au nom de Jésus! Can you begin to declare? Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Every witchcraft, toute sorcellerie, upon my life, sur ma vie, by the spirit of burning, by the instrumentally, by the instrumentality of the seraphim, par l'instrument des séraphins, catch fire now, soit pas feu maintenant, catch fire now, pas feu maintenant. Can you begin to command the witchcraft in your nation? Demande to catch fire. Aux maisons de la sorcellerie, the witchcraft de prophète in your nation, by which your nation is controlled. Par lesquels il contrôle. Those human beings that have cast a spell on your nation. Ces humains qui ont jeté des mauvaises sorts. Tell the Lord to set them on fire now. Demande au Seigneur de les mettre en feu maintenant. That boasted himself qui s'est vanté against the power of our God, contre la puissance de notre Dieu. Let the seraphims answer them now. Que les séraphins leur répondent every maintenant. Every boaster in your nation, toute constante, release the spirit of the seraphim after them. Libère l'esprit des séraphins. Let them begin to remove them out of the world. Commence à combattre. Every boaster, tout vanteur. Every principality, toute principauté, that is boasting against your life, qui se vante contre ta release vie. Release the seraphim, libère les séraphins. Release the seraphim, libère les séraphins. Let him judge him by fire, let qu'il est mort de par le feu. Let him judge him by fire, let qu'il est mort de par le feu. Fire in the name of Jesus, le feu au nom de Jésus. Fire in the name of le Jesus, le feu au nom de Jésus. Somebody shout, my God, arise! Mon Dieu, lève-toi! And let your enemy in my life be scattered! Et que tes ennemis dans ma vie se dispersent! Let them be burnt by fire! Qu'ils soient consumés par le feu! The judgment of the seraphim! Du jugement des séraphins! In Jesus' name! Au nom de Jésus! Somebody shout, amen! Quelqu'un crie, amen! I want you to raise your two hands. Je veux que tu lèves tes deux bras. Can you say my father? Dis mon père. Because of the revelation of this morning. À cause de la révélation de ce matin. Make the seraphim. Fais que les séraphins
stand between me se tiennent entre moi and the circumstances of the nations. Et les circonstances de la nation. Today, aujourd'hui, any strange altar that is set upon me, tout autel étrange qui est établi contre moi, any strange circumstance, toute circonstance étrange that has set its face against me, qui m'a tourné le visage, I connect with the covenant of the seraphim. Je me connecte avec l'alliance des séraphins. The spirit of judgment. L'esprit du jugement. The spirit of burning. L'esprit qui consume. To consume that altar. Pour qu'il consume cet autel. And pull it down now. Et qu'il le renverse maintenant. Let the fire fall now. Que le feu descende maintenant. Let the judgment begin now. Que le jugement commence maintenant. Let the harvest of those souls begin now. Que la moisson des âmes commence maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let the harvest of miracles begin now. Que la moisson des miracles commence in the name maintenant. Of Jesus. Au nom de Jésus. Somebody shout amen. Amen. Open your eyes. Ouvre tes yeux. Can you ask the Lord? Est-ce que tu peux demander au Seigneur to release the ministry of the seraphim de libérer le ministère des séraphins into your countries now, dans vos différents pays to begin to purge out filth, pour qu'il to purge out filth, dirty, ah oui, pour commencer à enlever les impuretés and to hold back the hand of the devil. Et pour retenir la main du diable. Can you begin to put boundaries on the devil? Est-ce que tu vas commencer à mettre des frontières call au diable? Call your nation by name. Tu appelles ta nation par son nom. And release the ministry of the seraphim. Et tu libères le ministère des séraphins. To begin to separate between the wicked and the righteous. Pour commencer à séparer entre les méchants et les and bons. And bring judgment. Et qu'ils appellent le jugement. In the name of Jesus. Now listen to me. Écoutez maintenant. We are going to pray for three nations. Nous allons prier pour trois nations. The first nation God put in my heart. Et la première nation que Dieu m'a mise à cœur. Is Israel. C'est Israël. The mystery of the blood moon. Le mystère de la lune de sang. That moves Israel. Qui va se montrer en Israël, from one point to another point, qui va la transporter d'un point à un autre, has begun. A commencé. I told you, je vous ai dit that late last year, que vers la fin de l'année dernière and throughout the first quarter of this year, et pendant le premier trimestre de cette année, I kept on announcing that Israel was going to go to some kind of war. J'ai continué d'annoncer qu'Israël allait traverser certaines guerres. Can I tell you something the Lord told me? Est-ce que je peux vous révéler quelque chose que le Seigneur m'a dit ago, il y a quelques jours? That Netanyahu needs help. Que Netanyahu a besoin d'aide. His hands are beginning to feel weak. Ses bras commencent à s'affaiblir. And right now he does not know what to do. Et en ce moment même, il ne sait pas quoi faire. I stay in Nigeria and God talks about nations. Je vis au Nigeria et Dieu me parle des nations. The second nation is Russia. La deuxième nation, c'est la Russie. God said, Dieu a dit, we need to put a hook, nous devons mettre un hameçon on Putin, sur Poutine, so that he does not cross his boundaries, afin qu'il ne traverse pas ses frontières. He that letteth will not let. Celui qui, that's the prophecy in Thessalonians. C'est ça la prophétie dans Thessaloniciens. Until he be taken away. Jusqu'à ce qu'il soit ôté. Listen. Écoutez. Putin is about to cross the line before its time. Poutine est sur le point de dépasser ses limites avant le temps. And I'm not talking about Ukraine now. Et je ne parle pas encore de l'Ukraine. He's about to cross the line. Il est sur le point de dépasser les bornes. And start up something in the nations. Et commencer quelque chose dans les nations. Before their time. Avant le moment. They are ordained to take place. Ils sont ordonnés. Ces choses doivent arriver. But their time is not this year. Mais ce n'est pas le moment cette année-ci. Putin. Et Poutine. Is becoming the catalyst. Il devient celui qui accélère les choses. That wants to release a dragon spirit. Il veut libérer l'esprit du dragon. That will eat up the nations of the earth. Qui va
dévorer les nations de la terre. We need to ask God to put a hook. Nous devons demander à Dieu de lui mettre un hameçon. That was what he did. Et c'est ce qu'il a fait. That was what he did in the Bible. C'est ce qu'il a fait dans la Bible. He put a hook on Leviathan. Il a mis un hameçon au Leviathan. Pulled him out of his rivers. Et l'a sorti de ses fleuves. And put a boundary for him. Et il a mis une frontière qu'il ne devait pas traverser. Putin. 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 Putin is the name of the president of Russia. C'est le nom du président de la Russie. I am not speaking in tongues. Hallelujah. I know you know. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Number three. Troisièmement, le troisième pays. The destiny of Africa shall not be aborted. La destinée de l'Afrique ne doit pas être avortée. There is a shadow that is being cast on Africa now. Il y a une ombre qui plane sur l'Afrique. By the many happenings. Par pour tout ce qui arrive. That wants to make Africa irrelevant in the world affairs. Qui veut rendre l'Afrique sans importance dans les affaires du monde. That wants to shove Africa aside. Qui veut mettre l'Afrique de côté. That veil must not rest. Ce voile ne doit pas tenir. I said three things. J'ai dit trois choses. Maybe you thought I would jump into Liberia. Parce que tu as cru que peut-être tu as pensé que j'allais parler du Liberia et tout le reste. But three things. Mais trois choses. That will affect the history of the nations. Qui vont affecter l'histoire des nations. Israel. Israël. Actually, I thought that Israel was going to attack Iran. En fait, j'ai même cru qu'Israël allait attaquer l'Irak. From the body language of Netanyahu. À partir du langage corporel de Netanyahou, in the United Nations, aux Nations Unies, he gave them a warning of war. Il leur a donné une menace de guerre, a coded message of war, un message codé de guerre, and told them Israel was not going to hesitate. Et il leur a dit que Israël n'allait pas with hésiter, or without the permission of the United Nations, avec ou sans la permission des Nations Unies. And he used the word attack. Et il a utilisé le mot attaque. You see, the blood moon has a way of provoking Israel. Vous voyez, la lune de sang provoque Israël d'une certaine façon. And it is being steered by the spirit of the seraphim. Et cela est mu par l'esprit des séraphins. He provokes you to your destiny. Cela te provoque dans ta destinée. His work is to provoke. Son œuvre c'est de provoquer. So when he brings that judgment, it is to provoke you to live righteously. Alors quand il apporte ce jugement, c'est pour t'amener à vivre dans to la justice. Make up your mind that righteousness is better than unrighteousness. Pour que tu t'as rassuré que la justice est mieux que l'injustice. It's the mystery of godliness in this last days. C'est le mystère de la piété en cette fin des temps. How many of you understand what I'm talking Combien about? D'entre vous comprennent ce dont je parle? Today. Aujourd'hui. Oh Lord, come down and manifest your power. Oh Lord, come down and manifest your power. Jesus, come down and manifest your power, oh Lord. Come down and manifest your power. Daddy, come down and manifest your power, oh Lord. Come down and manifest your power. Savior, come down and manifest your power. Oh Lord, 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 come down. Jesus, come down and manifest your
Père céleste. The handwriting of ordinances. Les ordonnances. That is tearing the nations from the ground. Qui déchire les nations depuis la terre. The script that is written on the earth. L'esprit qui écrit sur la terre. By sacrifices. Par les sacrifices. Strange demonic satanic sacrifices. Les sacrifices démoniaques et étranges. That are steering the nations to rise against God. Qui ont amené les nations à s'élever contre Dieu. And his Christ. Et son Christ. Even before the time of prophecy. Même avant l'heure de l'accomplissement de la prophétie. Today in the name of Jesus. Aujourd'hui au nom de Jésus. Let that spell be broken. Que ce sort soit brisé. Amen. Amen. Are there people who have traveled to Russia here? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont allés en Russie? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent en Russie et qui sont en visite ici? Est-ce qu'il y a un visiteur de Russie ici? Can you wave? Let me see. Si tu es là, balance ta main. Si tu viens de la Russie, lève la main, balance la main. Is there any? Est-ce qu'il y a quelqu'un? If you are there, wave. I want to see you come forward. Si vous êtes là, balancez la main ou venez. Je veux vous voir. Is there one that has lived in Russia before, no longer lives in Russia? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu en Russie avant? Raise your hand or come forward here. Lève ta main ou viens ici devant. If you have lived in Russia. Si tu as vécu en Russie. But you don't live there anymore. Mais tu ne vis plus là-bas. Can you please come forward here? Est-ce que tu peux venir ici? Is there anyone from Israel here? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'Israël ici? Please, can you come forward here? Viens devant. The promise cannot be taken away. La promesse ne peut pas être enlevée. It was meant to be for generations. Elle était donnée pour durer pendant des générations. Is there anyone here? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? That once worked at the level of the AU, African Union. Qui a un jour travaillé au niveau de l'Union africaine? Or worked as an ambassador of African Union. Ou qui a travaillé comme ambassadeur à l'Union africaine? Ou qui a travaillé dans leur bureau? Or was a diplomat on their behalf? Ou qui était un diplomate dans avec eux? Is there anyone here like that? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme ça? And I want you to come forward. Et si la personne, il y a quelqu'un comme ça ici, je veux qu'elle vienne devant. Is there anyone that works in the African Development Bank? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui travaille dans la Banque africaine de développement? Or any of those African institutions? Ou dans une autre institution africaine? Yes, can you come forward here? Oui, venez s'il vous plaît. Just join them there. Institut africain. Oui. Une institution africaine. Une institution africaine. INADES. INADES, c'est quoi ça? Can you please come this way and stand with me here? Okay. Based where? Come forward. Ça se come trouve. Or join them. Viens. There is somebody else who also works with the systems. Stand there. I have seen the Lord's goodness. His mercies and compassion. I have seen the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. You have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life.
seen the Lord's goodness. Yes, mercy, yes, compassion. I have seen the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. I have seen the Lord's goodness. Yes, mercy, yes, compassion. I have seen the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life. Can you raise your right hand? Ton main droite. Can you pray this prayer with me? Faites cette prière avec moi. Heavenly Father, Père céleste, remove the sting of the serpent from my life. Enlève le venin du serpent de ma vie. Whether directly from the devil. Que cela vienne directement du diable. Or from my circumstances. Ou de mes circonstances. Or from my community. Ou de ma communauté. Every wound in my life. Toute blessure dans ma vie. That you have not put there. Que tu n'as pas mise. Remove it in Jesus' name. Enlève-la au nom de Jésus. Can you take in a deep breath? Est-ce que tu peux inspirer profondément et expirer? Can you breathe out? Souffle à l'extérieur, expire. Can you say Jesus? Dis Jésus. I receive your healing. Je reçois ta guérison. By the blood of your covenant. Par le sang de ton alliance. Even the blood of your sacrifice. Même le sang de ton sacrifice. I receive my release. Je reçois ma libération. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Somebody say amen. Amen. Therefore, by your proclamation. Par conséquent, par votre proclamation. The curtain and the veil is broken in your life. Les rideaux et les voiles sont brisés de vos vies. Receive the healing you have been waiting for. Reçois la guérison que tu attendais. Receive the miracle you have been waiting for. Reçois le miracle que tu attendais. No death. Aucune mort. That is an arrow from hell. Qui est une flèche de l'enfer. Shall enter the wailing woman anymore. N'entrera plus dans les femmes pleureuses. The sting of that provocation is broken. Le sang de cette provocation est brisé. Receive your miracle in the name of Jesus. Can you lift your hand and just worship him again? Est-ce que tu peux lever ta main juste en adoration au Seigneur? Can you begin to prophesy to your body? Commence à prophétiser à ton corps. To conform to the image of the Lord Jesus Christ. Pour que ton corps se conforme à l'image du Seigneur Jésus Christ. Conform to the word now. Qui se conforme à la parole. My healing is come. Et que la guérison. My deliverance is come. My deliverance is come. Ma délivrance est arrivée. Conform to the image. Conforme-toi à l'image.
Conforme-toi à l'image. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Conforme to the image. Conforme-toi à l'image. I receive grace for grace. Je reçois la grâce pour la grâce. I receive grace for grace. Je reçois la grâce pour la grâce. I receive grâce for grâce. Je reçois la grâce de la grâce. In the name of Jesus. Amen. I receive my healings now. Je reçois ma guérison maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Somebody shout amen. Amen. Number two. Deuxièmement. Lord, tell the Lord. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, dis-lui. I pick in the spirit that the reason why Russia behaves the way it behaves from time to time. Je reçois un esprit que le but pour lequel la Russie se comporte comme elle se comporte souvent. Is that there is a curse upon its earth. C'est qu'il y a une malédiction sur son territoire. A curse upon its earth. Une malédiction sur son sol. From ancient times. Depuis les temps anciens. A curse that carries the same weight. La malédiction qui a le même poids. As the curse that was placed upon the sons of Esau. Que la malédiction qui avait été mise sur les fils d'Ésaü. Ou upon the Arab world, sur le monde arabe, that sword shall never depart from them. Qui dit que l'épée ne s'éloignera jamais de ta tente. Their hands shall be against their brothers, and their brothers' hands shall be against them. Ta main sera contre la main de tes frères, et la main de ton frère, de tes frères sera contre and la that tienne. Curse is still eating them up. Et cette malédiction les dévore encore. Their hand is on everyone else. And everyone else's hand is against them. Ils ont la main contre tout le monde et tout le monde a la main contre eux. And they have turned their swords against one another. Et ils ont tourné, sorti leurs épées contre les autres. I sensed there was a curse in the earth. J'ai senti qu'il y avait malédiction sur la terre. Over the nation of Russia. Sur les nations, contre les nations de la Russie. From the soil that still torments her. Qui vient de leur sol et qui les tourmente encore. They lost more men in the world wars. Yet America gained more grounds. Okay, don't worry. You don't need to interpret that. Listen today. Écoutez aujourd'hui. Can you tell the Lord? Est-ce que vous pouvez dire au Seigneur? Remove the curse. Ôte la malédiction. And set boundaries upon the land. Et mets des frontières dans le pays. They shall not walk contrary to the spirit of prophecy. Ils ne marcheront pas contrairement à l'esprit de la prophétie. Putin shall not go beyond his time. Poutine n'ira pas au-delà de ses limites. Let the Lord arise and humble him now. Que le Seigneur se lève et l'humilie maintenant. And put a leech upon him. Et mette un hameçon sur lui. And put a leech upon him. Et mette un hameçon sur lui. And put a rope upon him. Et lui et l'attache. And put a control over him. Et mettre un contrôle sur lui. Can you open your mouth and begin to release the angels of God over Russia? Ouvre ta bouche et libère les anges de Dieu sur that la Russie. That they will put a leech. Qu'ils mettent un hameçon. A leech. Over Putin. Sur Poutine. That the Lord will put a hook on Leviathan, the spirit of Leviathan. L'hameçon au Leviathan. That controls Putin. Qui contrôle Poutine. That says my river is mine. Qui dit que mes fleuves m'appartiennent. I will do what I like. Et je vais faire ce que je veux. Let the Lord reverse that decree in Russia. Que le Seigneur renverse Putin ce décret en Russie. According to his whims. Il ne doit pas faire ce dont ça se désire. Que l'esprit du contrôle descende sur lui. He shall not abort prophecy. Il ne va pas faire que les prophéties abortent. He shall not confuse prophecy. Il ne doit pas faire que les prophéties soient confuses. Let God arise. Que Dieu se lève. Let God arise. Que Dieu se lève. And set control over Putin. Et mettre Poutine sous contrôle. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Somebody wave and shout amen. Dis amen. You will remember many years ago. Vous allez vous rappeler qu'il y a plusieurs années de cela, même avant la chute de l'URSS, j'avais prophétisé qu'un homme du nom de Poutine allait se lever. And at that time when I wrote his name, I thought I was
interpreting a tongue. I was speaking in tongue actually. Et quand j'écrivais son nom, the spelling was the same. Putin, P-U-T-I-N. Je crus que j'interprétais un parler en langue, mais c'était la même orthographe, Poutine, P-U-T-I-N. The Lord called him the man of God. Le Seigneur l'appelle l'homme de Dieu. A man full of anger. Un homme plein de colère. That will attempt to reclaim lands and rewrite history. Et qui va essayer de réclamer des territoires pour les unir. It's there in the book. I wrote those books in the 80s. J'ai écrit ce livre là dans les années 80. Very early 80s. Au début des années 80. And that man is really playing out the script. Et il est encore sur scène. And I hear the Lord now say, put a hook on him. Et j'ai entendu le Seigneur dire, mets-lui, jette-lui un hameçon. He must not go beyond the boundaries of heaven. Il ne doit pas aller au-delà de ses limites. Did you hear somebody say amen? Amen. I want all of you standing by Israel here. Can you just... Celle qui se tient pour Israël, lève ton bras comme ceci. Oui, tenez-lui le bras. You will also symbolize the nations of the earth holding the hands of Israel. Vous allez également symboliser également les nations de la terre qui soutiennent Israël. By you we speak to the spirit of Netanyahu. Par toi je parle à l'esprit de Netanyahu. Like Moses' hands began to fail him. Comme quand les mains de Moïse étaient déjà affaiblies. And he had to be held. Et qu'il a besoin d'être aidé. We release help for Netanyahu now. Nous libérons l'aide pour Netanyahu maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Israel shall not stand alone. Israël ne sera pas seul. We call for the armies of heaven. Nous appelons les armées des cieux. Surround Israel now. Pour entourer Israël maintenant. Defend Israel in Jesus' name. Entre Israël. Let the shofars begin to sound the calling of the armies of heaven. Today, let the armies come. Aujourd'hui, que from les armées the north and the south and the east. Du nord, du let sud, the east wind gather. West. Let the north wind gather. Let the south wind gather. Que le sud se réunisse. Let Israel become a. Qu'Israël soit coupé. In the name of Jesus. Amen. Israel. Israël. Arise. Lève-toi. Arise. Lève-toi. Rise. Lève-toi. Rise. Lève-toi. Rise. Lève-toi. Rise. Non. For your day is come. Car ton temps est arrivé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Can we begin to pray? Est-ce que nous pouvons commencer à prier? That the sting of the serpent shall not rest upon Israel. Que la morsure du serpent ne reste pas sur Israël. Nous and we release a defense. Et nous nous envoyons around une défense. Israel now. Et une arme autour d'Israël. We remove the sting. Nous enlevons la morsure du serpent. And we release a defense. Et nous envoyons de la défense. Around Israel now. Autour d'Israël maintenant. Around Israel now. Autour d'Israël maintenant. Around Israel now. Autour d'Israël maintenant. Now I want you to listen. Maintenant, je veux que vous écoutiez. The reason why I'm asking that we hold up their hands. La raison pour laquelle je demande qu'on lui soutienne les bras. This battle with the Palestinians. Cette bataille avec les Palestiniens. It's not the real thing yet. Ce n'est pas encore la vraie chose. There is another fight coming. Il y a une autre bataille qui arrive. This one is going to birth another fight. Cette lutte, cette bataille-ci va engendrer une autre. The Lord told me. That's why I said. Don't be deceived by what you see. C'est pourquoi j'ai dit ne soyez pas trompés par ce que vous voyez. There are deeper things beyond what you see. Il y a des choses plus profondes au-delà de ce que vous voyez. I repeat. Je répète. This trouble with the Palestinians right now. Ces problèmes à l'heure actuelle contre les Palestiniens. It's not the real thing. Ce n'est pas encore la vraie bataille. The real jihad is about to start. Le vrai jihad va commencer. Did you hear what I said? Est-ce que vous avez suivi? That will change the territories again. Qui vont encore changer les territoires. That will empower Israel. Qui va donner la puissance à Israël. But listen. Mais écoutez. That fight. Cette lutte. Will also take away something from Israel. Va également arracher quelque chose à Israël. I don't know what it is. But whatever it takes away, mais je ne sais pas, mais quel que soit ce que ça va arracher, shall draw them closer to the Messiah. Ça va les rapprocher du Messie. There is a wounding that is coming. Il y a une blessure qui arrive. That will draw Israel to the Messiah. Qui va rapprocher Israël du Messie.
You don't understand the ways of the Lord. Vous ne comprenez pas les voies du Seigneur. They have removed those United Nations speeches of Netanyahu. Et on a ôté les discours de Netanyahu aux Nations Unies. But there was the one where he thanked Christians. Mais il y a celui dans lequel il a remercié les chrétiens. And the only support they have had, que le seul soutien qu'ils ont eu, unflinching support for a long time all around the world, depuis longtemps et de partout dans le monde, is from Christians. C'est des chrétiens. It's the first time, c'est la première fois, a president of Israel was acknowledging the role of Christians. Un président d'Israël reconnaissait le rôle du christianisme. And with his mouth he has confessed. Et avec sa bouche il a confessé. And let in the Messiah. Et il a permis au Messie d'entrer. And accepted that the Messiah has shown up for Israel. Et que le Messie est vraiment sorti d'Israël. Today, aujourd'hui, let the Messiah enter through the gates of Israel. Que le Messie entre encore en Israël. Let the Messiah take over Israel. Que le Messie règne sur Israël. We open the books of prophecy. Il ouvre les livres de prophétie. Open the books of prophecy. Il ouvre les livres de la prophétie. And you say, I open the books of prophecy. Dis, il ouvre les livres de la prophétie. Let prophecy be fulfilled over Israel. Que les prophéties s'accomplissent sur Israël. Our God arise. Que notre Dieu se lève. Enter into Israel. Entre en Israël. Bring salvation to Israel. Apporte le salut en Israël. Let the walls fall down. In the name of Jesus. Amen. Somebody say amen. Amen. This move of the blood moon. Cette venue de la lune de sang. Is marking the seasons of Israel. Marque les saisons d'Israël. For those of you who don't know. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas. It is not by mistake. Ce n'est pas par erreur. That the first blood moon. Que la première lune de sang. Fell on the day of the Passover this year. Est arrivée le jour de la Pentecôte cette année. April 15th, de la Pâque. The Passover. Tous les 15 was de la when Pâque. The blood moon showed itself. C'est là que la lune se montrait. The next blood moon is coming in September. La prochaine lune de sang va se manifester en septembre. During the time of the Sukkot. Et ce sera au moment de Sukkot. The feast of the ingathering. The feast. La fête. Of the ingathering. Des rassemblements. It's a mystery. C'est un mystère. And next year's blood moon will come the same time. Et la lune de sang de l'année prochaine va venir à la même période. Yahweh is putting a peg on the ground. Yahweh est en train de mettre des marques sur le sol. A peg in the nations. Et une marque dans la nation. You will not miss your inheritance. Tu ne vas pas perdre ton héritage. Israel will not miss her inheritance. Israël ne va pas perdre son héritage. The Messiah is about to reveal himself. Le Messie est sur le point de se révéler. The Messiah is about to reveal himself. Le Messie est sur le point de se révéler. Israel has been waiting for the revelation of the Messiah. Israël attend la révélation du Messie. Israel. Israël. Israel. Israël. Behold your God. Voici ton Dieu. He cometh unto you now. Il vient vers toi maintenant. As a lamb. Comme l'agneau. That taketh away the sins of the world. Il ôte les péchés du monde. Behold your King. Voici ton roi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Can you begin to pray? Pouvez-vous commencer à prier? That the eyes of their understanding will begin to open and be enlightened. Que les yeux de l'entendement, les oreilles de l'entendement, les yeux de l'entendement s'ouvrent pour qu'ils commencent à comprendre. Seigneur, donne la lumière à leur entendement. Israel will never stay without help. Israël ne manquera pas d'aide. As these hands are held up. Comme ses bras sont levés, so shall the ancient of days ainsi l'ancien des anges continue to provide help for you. Continuer de vous pouvoir. Your hands shall be held up. Vos bras seront levés. Shall not fail. Et vos bras ne se fatigueront pas. Your life shall not fail. Votre bras, vos bras ne s'affaibliront pas. Your destiny shall not fail. Votre destinée ne s'affaibliront pas. Les nations ne chuteront pas. In the name of Jehovah. Au nom de Jéhovah. Somebody shout amen. Amen. Now listen. Maintenant, écoutez. Can you stretch your hand up here?
Tendez vos bras vers eux, as I vers elles. This prayer, there is a sacred name that Jews are not even allowed to call it anyhow. Il y a des hommes sacrés que les Juifs ne sont pas amenés, appelés à nommer n'importe comment. We Christians, nous les chrétiens. Name our children by that name, including me. I'm guilty of that. Et nous donnons n'importe quel genre de nom à nos enfants. Moi aussi, je fais. It's a sacred name. C'est un nom sacré. The rabbis will jump and almost have a heart attack when you call that name anyhow. Les rabbis, ils tremblent. Ils ont presque une attaque cardiaque quand tu prononces ce nom n'importe comment. That is the name of the two-breasted one. Of the two. He that is called the two-breasted one. Celui qui a deux seins. You know what is breast? Yes, sir. Two-breasted one. Yes, celui qui a les deux seins. Anan. If it were a woman, they would feel freer to call breast. You are not calling breast. No, it is son. Anan. Anan. The two-breasted one. Les deux seins, Anan. Is only called in rare occasions. N'est prononcé qu'en des occasions rares. To give Israel the life it never had. Pour lui donner la vie qu'elle n'a pas eue. That is the name you call El Shaddai. C'est ça le nom qu'on appelle El Shaddai. The name El Shaddai means the two-breasted God. Ça veut dire les deux seins en un. The one who feeds from both breasts. Celui qui nourrit des deux seins. The one who feeds from both breasts. Celui qui nourrit des deux seins. Today, we open the gates of the two-breasted one. Aujourd'hui, nous ouvrons les Israël. Les deux seins. Non. Arise and feed. Israël, lève-toi. Arise and feed. Lève-toi et nourris-toi. For your day is come. Car l'heure est venue. Arise and feed. Car lève-toi et nourris-toi. For the journey ahead. Pour le voyage. Arise and feed. Lève-toi et nourris-toi. For the changes that are coming. Pour le voyage qui arrive. In the name of Jehovah El Shaddai. Nom de Jehovah El Shaddai. In Jesus' name. Nom de Jésus. The people shout amen. Amen. You won't let go. Huh? There are mysteries. Il existe des mystères. I have a guide in Israel. J'ai un garde de corps en Israël. Who is from the rabbinical priesthood? Qui est du rabbinica? He's a Levite. C'est un Lévite. And a rebel. Rebel in the sense that he has refused to follow the father. Et il est un rebelle, rebelle dans le sens qu'il a refusé de suivre les pères. There was a day I was giving a revelation in the bus. Il y a un jour où je recevais une révélation dans un bus. And I mentioned Jehovah El Shaddai. Et j'ai blanc de dormir. He just woke up with a startle. Il s'est réveillé soudain. Who dare calls that sacred name? Il a dit, mais qui ose prononcer ce nom sacré? And as I continued to pray, he began to say amen. Et comme j'ai continué à prier, il répondait amen. We were driving towards Eilat. Nous conduisions. For 1 hour, I was in the spirit and I refused to answer any of them. Et pendant une heure, j'étais en esprit et j'ai refusé de leur répondre. The whole bus erupted. Tout un cas a fait éruption. 1 hour. Une heure. I didn't know that in that hour, 1 hour when I was praying. Je ne savais pas que pendant cette heure-là, quand je priais. It's not a rainstorm. Is it a dust storm? C'est plutôt un tourbillon qui a fait and monter la poussière. Eilat. Had invaded Eilat. Et ça a envahi Eilat. And destroyed quite a number of the hotels. Et ça a détruit un certain nombre d'hôtels. And we were driving into it. Et nous conduisons vers là. Without knowing. Sans savoir. And I was just singing. Et je ne faisais que chanter. And we didn't know as our bus was getting closer. Et nous ne savions pas que comme notre bus so se rapprochait. That storm going moving away aussi, cet ouragan de poussière avançait. Nous ne nous sommes pas aperçus de cela.
Until we got into our hotel, jusqu'à ce que nous arrivions dans notre hôtel. We saw the windows of adjacent hotels scattered. Et on a vu les vitres des autres hôtels fracassés. And that man who was listening to us called Jehovah El Shaddai. Et l'homme qui nous a entendu dit Jehovah El Shaddai. Began to shiver. Il a commencé à trembler. Because while we were doing that, parce que pendant que nous le faisions, he got a phone call from Jerusalem. Il a reçu un appel de Jérusalem. That are we in the storm? Il a demandé si nous sommes dans la and tempête. Said, no, there is no storm here. Il a dit, mais il n'y a pas de tempête we ici. Can see a cloud far away. Mais nous nous voyons une nuée loin. There is no storm here. Mais ici, il n'y a pas de tempête. Said, but the television is showing the storm scattering hotels. Mais la télé montrait dans la tempête qui casse les hôtels. And the man came to me. Et l'homme est venu vers moi. He said, you serve a living God. Et il m'a dit, vous servez un Dieu vivant. Your testimony is coming. Ton témoignage arrive. I'm going to pray for you as a last point. Je vais prier pour vous enfin, à la fin. Let me finish with you. That is why you are here. That's why you're called raining woman. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi on vous appelle les femmes pleureuses. It's the conclusion of the matter. C'est la conclusion de la fin. This de la is sphère. Why we exist. C'est pourquoi nous existons. I am a watchman. I lead a watchman ministry. Je suis un sentinelle et je dirige un ministère de sentinelles. Can you say Heavenly Father? Pouvez-vous dire Père Céleste? Dig out the curse that is buried in Africa. Déracine la malédiction qui enterre l'Afrique. That this confusion might be destroyed. Que cette confusion soit détruite. I want you to open your mouth and begin to tell God. Je veux que je vous ouvre la bouche et commence à dire à Dieu. To shut down every plague. D'arrêter toute plaie that has been released from the bottomless pit against Africa. Qui a été libérée depuis l'abîme contre l'Afrique. From North Africa, du nord de l'Afrique, to West Africa, de l'ouest de l'Afrique, to East Africa, jusqu'à l'Afrique de l'Est, to South Africa, jusqu'à l'Afrique du Sud, to Central Africa, jusqu'à l'Afrique centrale. Have you not seen what is happening in Central Africa? N'avez-vous pas vu ce qui se passe en Afrique centrale? Tell God to remove that curse. Demandez à Dieu d'ôter cette malédiction. To Chad. Depuis le Tchad, the horn of Africa, la corne de l'Afrique, let the Lord arise. Que le Seigneur se lève. All over the desert lands, partout dans les déserts. In Mali, in Morocco, au Mali, au Maroc. Let the Lord arise. Que le Seigneur se lève. Let the Lord arise. Que le Seigneur se lève. In Angola, all over the place. Et qu'il aille dans tous les lieux. In Zambia, en Zambie, all over the place. Partout. Congo, au Congo, let the Lord arise. Que le Seigneur se lève. Let the Lord arise. Que le Seigneur se lève. And let the earth vomit that which is hidden. Et que la terre vomisse ce qui est caché. Let the earth vomit that which is hidden. Que la terre vomisse ce qui est caché. We break the agreement of hell. Nous détestons l'accord de l'enfer. Africa shall not be aborted. La destinée de l'Afrique ne sera pas avortée. Every abortion process stop. Que tout processus d'avortement every s'arrête. Stop. Tout processus d'avortement every s'arrête. Stop. Que tout processus d'avortement every s'arrête. Stop. Que tout processus d'avortement every s'arrête. Of irrelevance. Tout esprit. Let it be wiped out in Jesus' name. Somebody say, my God arise. Que Dieu se lève. And bring change to Africa. Et apporte le changement en Afrique. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Somebody wave and shout, Amen. Amen. Now I'm going to pray the last prayer. Maintenant, je vais faire la dernière prière. And I will be done. Et j'en aurai terminé. And the anointing process will begin to go on. Et on va commencer à oindre. Listen. Écoutez. If you have had any strange dream recently, strange dream. Yes. Si tu as eu des rêves étranges. Recently. Récemment. Because these days, many messages are flying across. Parce que ces jours-ci, il y a tellement de messages qui s'envolent, qui planent. Some are from God and some are from hell. Certains sont de Dieu, d'autres de l'enfer. Or your life has been threatened. Ou alors si ta vie a été menacée. Your family's life has been threatened. Ou si la vie de ta famille a été menacée.
both in the dream and outside. Que ce soit dans les rêves ou bien que ce soit dans la réalité. Listen. Écoutez. If you have had experiences of waking up and seeing snakes sleeping around your compound, si tu as touch you, but they are there. Si tu as fait l'expérience de te réveiller de voir des serpents ou qui sont passés par ta maison. If you have woken up recently and found snakes under your bed. Si tu t'es réveillé récemment et tu as trouvé un serpent sous ton lit. Or in your bathroom. Ou dans tes toilettes. Or you go to farm recently and every time you go to farm you must kill a snake. There was a week that throughout that week you killed up to 3 snakes. Ou alors si quand tu allais au champ tu voyais toujours des serpents et il y a une semaine au cours de laquelle tu as tué près de 3 serpents. There are announcements of an invasion coming. C'est l'annonce d'une invasion qui arrive. Of a change of season coming. D'un changement de saison qui vient. Satan is strategically placing his arrows. Satan est en train de placer ses flèches stratégiquement. Listen today. Écoutez aujourd'hui. Listen today. Écoutez aujourd'hui. I want you to open your mouth. Je veux que tu ouvres ta bouche. And tell the Lord. Et que tu dises au Seigneur. To enter into all the inner recesses. D'entrer dans tous les recoins. The sources of your supply. Dans toutes les sources de ta provision. And flush out. Et qu'il évacue. Every authority that is established there. Toute autorité qui est établie là-bas. To limit your supply. Pour limiter ta provision. Let the angel, the seraphim, que les anges, les séraphins, visit those places, visite ces lieux, crush the head of the serpent, et qu'il coupe la tête du serpent. Can you ask the Lord to open the gates for you now? Demande au Seigneur d'ouvrir les portes. Enter into your source of supply, et qu'il entre dans ta source de provision, et qu'il guérisse tes eaux. That which the serpent is bringing, et détruit tout ce que le serpent a fait. Tell the Lord to remove from you, demande au Seigneur de t'enlever every sore, every wound, toute blessure. In the name of Jesus, au nom de Jésus, let God arise. Que Dieu se lève. Let God arise. Que Dieu se lève. Let the Lord begin to flush out. Que le Seigneur commence à évacuer. Every limitation that has been placed on you by the serpent. Toute limitation qui a été placée sur ta vie par le serpent, tout péché in your business, dans tes affaires, tell the Lord to remove the sting of the serpent. Demande au Seigneur d'ôter ces choses-là. By the spirit of burning, by the spirit of judgment, par l'esprit du jugement. Can you say with me, you spirit of the dragon? Toi, esprit du dragon. Thou that art called the serpent. Even Satan, the devil. Le dragon. Et today, in the name of Jesus. Aujourd'hui, au nom de Jésus. By the blood of the sacrifice of the Lamb of God. Par le sacrifice du sang de l'agneau de Dieu. I invoke the judgment of the seraphims against you. J'invoque le jugement des séraphins contre toi. To redeem my land for me. Pour libérer mon pays. To reclaim my possession. Pour réclamer ma possession. To reclaim my glory. Pour réclamer ma gloire. To reclaim my blessings. Pour réclamer mes bénédictions. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hear, O earth. Écoute, ô terre. Et. Toi la terre. Et. Toi terre. Et. Toi terre. Et. Toi terre. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Release unto me now. Libère-moi maintenant. The hidden riches of glory. Les cachets de la every gloire. Wealth. Toutes les richesses. That is hidden underneath of you. Qui a été caché sous toi. For my clothing. Pour mon revêtement. For my glorification. Pour ma glorification. In this season. En cette saison. By this conference. Dans cette conférence. I connect to that glory. Je me connecte à cette gloire. And I destroy the covenant. Et je détruis l'alliance. Of the kingdom of darkness. Du royaume des ténèbres. Of the serpent. Du serpent. That has kept it hidden. Qui est entré. In the name of Jesus. Amen. Somebody shout amen. Amen. Somebody shout amen. Amen. Can you raise your right hand up? Est-ce que tu peux lever ta main droite? And after this, the shofars can begin to sound like crazy. Raise your right hand up. Lève ta main droite.
and say to the north wind. Dis au vent du nord, wind, au vent du sud, to the east wind, au vent de l'est, to the west wind, au vent de l'ouest. Unlock my harvest in this season. Libérez ma moisson à cette Release saison. Release my messengers in this season. Libérez mes messagers à cette saison. Release the help of the God of heaven. Libérez l'aide du Dieu du ciel. L'aide. Even my father. Même mon père. In the name of Yahweh. Au nom de Yahweh. I command you now. Je vous ordonne maintenant. Gather unto me harvest. Libérez-moi ma moisson. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I release the secret of God. Je libère le secret de Dieu. To release my harvest. Pour libérer ma moisson. I enter into covenant with the Most High. J'entre en alliance avec le Dieu très haut. As I step out of this place. Pour que quand je vais partir de ce lieu. Harvest shall come to me. La moisson va venir dans ma vie. And I shall build the Lord a kingdom. Et je vais bâtir un royaume au Seigneur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I didn't hear somebody shout amen. Amen. I didn't hear somebody shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Let the armies gather now. Gather, 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 gather. I command right now, let the armies gather. Can you say, I receive? Si je reçois the hand of the seraphim, les mains des séraphins, to guide me through as I go out here, pour me garder pendant que je serai en train de rentrer d'ici. In the name of Jesus, au nom de Jésus, to bring about the covenant of Abraham, Isaac, and Jacob. Pour bâtir une alliance comme Abraham, Isaac et Jacob. And fulfill them in my life. Et pour les accomplir dans ma vie. Through Christ Jesus. Au travers de Christ Jésus. In the name of the Messiah, I Au pray. Nom du Messie, je prie. Can somebody shout amen? Amen. Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Listen. Écoutez. That which your hand could not possess. Ce que ta main ne pouvait pas posséder. The veil has been removed. Le voile a été enlevé. I saw your hands dripping with oil. J'ai vu vos mains couler d'huile. And I saw harvest coming unto you. Et j'ai vu la moisson venir sur vous. Who is that lady there? Qui est cette fille là-bas? My eyes has been going to her. Can you tell the fair lady beside you? La dame au teint clair derrière vous. An opportunity is about to open for you. Une opportunité est sur le point de s'ouvrir devant vous. What's your name? Quel est votre nom? Patricia Simon Hart. Patricia Simon Hart. An opportunity is about to open for you. Une opportunité est sur le point de s'ouvrir devant vous. For lack of words. En manquant de paroles pour exprimer cela. That would have world ramifications. Qui aura des ramifications mondiales. Now, maintenant, when that opportunity comes, quand cette opportunité va arriver, don't belittle yourself. Ne vous voyez pas trop petite. Don't, in feeling inadequate,
Ne vous sentez pas sans importance. Cede it out to another person. En le cédant à quelqu'un d'autre. The Lord will teach you on the job. Le Seigneur va vous enseigner. As he opens that harvest for you. Pendant qu'il va ouvrir cette moisson because pour vous. It's going to affect a lot of lives. Parce que ça va affecter beaucoup de vies. And God had ordained it for the time to come. Et Dieu a ordonné cela pour le temps à venir. For that is the placement that God had prepared for you. Et c'est ce que Dieu a préparé pour vous. So when you find yourself in the situation where those things are being discussed. Alors quand vous allez vous retrouver dans un état où on parle de ces choses. Don't out of humility. Pas humilité. Cede it out to somebody else. Ne passez pas la chose là à quelqu'un d'autre. Because the Lord is about to proclaim you in the earth. Parce que le Seigneur est sur le point de vous proclamer and sur la terre. That which you will control upon the earth. Et proclamer ce que vous allez contrôler sur la terre. Therefore, my Father in heaven. Par conséquent, mon Père au ciel. Let your spirit rest upon her. Que ton esprit repose sur elle. And let her activation be made complete now. Everything concerning you shall come to pass. Tout ce qui te concerne va s'accomplir. Nothing shall be diminished in your glory. Rien ne sera réduit. The man that diminishes your glory, I will take out of the way. Celui qui va diminuer ta gloire sera enlevé du chemin. Receive now. Reçois-le maintenant. Pashekin toriba. The fullness of sight. La plénitude the fullness de la of power. De la puissance. Boldness and strength. Le courage et la force. Capabilities of the Holy Spirit. Les capacités du Saint-Esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And the people of God shout amen. Amen. I see many of you. Je vois beaucoup d'entre vous. Walking into your harvest. Entrer dans votre moisson. Not ordinary harvest. Pas une moisson ordinaire. Uncommon harvest. Une moisson inhabituelle. And I hear the Lord command you. Et j'entends le Seigneur vous ordonner. Please use them to build a wall of defense for the future. Utilisez cette richesse pour construire des murs de défense pour l'avenir. Don't consume them upon yourself anyhow. Ne consommez, n'investissez pas seulement cela pour vous seul n'importe comment. Build a wall of defense for your future. Utilisez cette richesse pour construire un mur de défense pour votre futur. Now, hear this. Maintenant écoutez. As you get home. Comme vous rentrez à la maison, the thieves that stole from you will return back to you. Le voleur qui vous a volé va vous remettre cela. They will bring back that which they have stolen. Ils vont ramener ce qu'ils avaient volé. They that fought against you, ceux qui vous ont combattu, they shall work for you. Ils vont travailler pour vous. I release the hand of God upon your life. Je libère la main de Dieu sur votre vie. To accomplish this visitation. Pour accomplir cette visitation. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And the people shout hallelujah. Hallelujah. And the people shout hallelujah. Hallelujah. And the people shout hallelujah. Hallelujah. My father. Mon père, if it were not for you, si ce n'était pas à cause de toi, if it were not for Jehovah Yahweh, si ce n'était pour Jehovah Yahweh, where will we be today? Où serions-nous aujourd'hui? You are the record of our lives. Tu es l'archive de nos vies. Therefore today, par conséquent aujourd'hui, in the name of the Messiah, au nom du Messie, I open the gates of this oil. J'ouvre les portes de cette huile. Oil shall not cease to flow in the lives of your children. L'huile ne cessera pas de couler dans la vie de tes enfants. I call upon your angels to be attached to them. J'appelle tes anges pour qu'ils se connectent à cela. By this oil, par cette huile,
Everywhere they enter, partout où cela va entrer, angels will connect with them. Les anges vont se connecter à cela. Territorial spirits will work for them. Ah, les esprits territoriaux vont travailler avec cela. They shall not feel or hear. Ils ne vont pas the sting of the serpent. Sentir la morsure du serpent. Anyone that has a poison in his system. Toute personne qui a un doigt dans le système. Let the poison dissolve. Un poison, que ce poison se dissolve. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Tout poison dans l'organisme se dissolve. They will bear this oil. Ils vont porter cette huile. And with your two fingers, et avec, ils vont vous présenter lui avec vos deux doigts. You will touch. Vous allez toucher. And you will anoint your forehead. Et vous allez oindre votre front. If you have a recurrence of anything at all that has always been recurring, you will go behind. You will go beyond just touching your forehead. And you will put that oil on your lip, I mean on your tongue. Après avoir touché ton front, tu vas mettre cela sur ta langue. Tu vas oindre ta langue également. And that strange cycle of recurrence shall not come again. Et ce cercle vicieux des choses qui se répétaient ne va plus se répéter. Parce que son joug sera brisé à cause de l'ancien. Je n'ai pas entendu dire je reçois au nom de Jésus. And I say amen, O Lord. Et je dis amen, Seigneur. Somebody say amen. Amen. Therefore, Lord, by the mystery of this oil. Seigneur, par le mystère de cette huile. 2 weeks. 2 semaines. 14 days. 14 jours. Were proclamations made in these last days. Les proclamations ont été faites. By which covenants were opened and released. Par lesquelles des alliances ont été ouvertes et libérées. Today, aujourd'hui, I release life in this oil, je libère la vie dans cette huile. To establish a proclamation in the heavens and pour the earth, établir une proclamation au ciel et sur la terre. By which the heavens and the earth shall come to the help of the church. Oh, je souhaite que le ciel et la terre viennent shall au secours de l'église. Come to the help of they that bear this oil. Viennent au nom aider ceux qui portent cette huile. I ordain upon you the kingdom of God. J'ordonne sur vous le royaume de Dieu. Even by this oil, par cette huile, in the name of Jesus Christ, amen. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Now, I want your singing group to sing prophetically. Don't sing like a choir. Je veux que vous chantiez prophétiquement, ne chantez pas comme une chorale. Singing like a choir. I saw the choir yesterday night. J'ai vu la chorale hier soir. Now, sing like a different group. Maintenant, chantez comme un groupe différent. Don't try to impress us with how beautiful your voice is. N'essayez pas de nous impressionner en rendant vos voix jolies. Let your spirit sing, it will sound differently. Que votre esprit chante et ça va être différent. Don't be specialist, just release your ne soyez spirit. Pas des spécialistes, libérez-vous simplement. Let them make a sound of joy unto the Lord. Que le peuple fasse un cri de joie Let au Seigneur. Let us be carried by that joy. Que nous soyons transportés par cette joie. You will make a sound of joy. Vous allez faire des cris de joie. You will use your two. Okay, I am down here. You will use your two fingers like this. Vous allez utiliser vos deux doigts comme ceci. Can somebody do this? Faites comme ceci. Your right hand, not your left hand. De votre main droite, pas de votre Even main gauche. Even if you were left-handed, même si tu étais gaucher, you will use your right hand. Tu vas utiliser ta main droite. You will dip into the oil. Tu vas la plonger dans l'huile and des deux you doigts. Will anoint yourself. Et tu vas toindre toi-même. As a consecration of yourself to the Lord. Comme une consécration de toi-même au Seigneur. If you have a recurrent controversy in your life. S'il y a des choses mauvaises qui se répètent dans ta vie. Sickness, que ce soit de maladie or of losing money, ou de perte d'argent. Something recurrent that seems to be tormenting everywhere. Quelque chose qui se répète et qui back te tourmente. À la maison. You will go beyond just anointing your forehead. Après avoir oint ton front, tu vas oindre ta langue. To anointing your tongue. Tu vas oindre ta langue. But you can only touch the oil once. Mais tu vas toucher à l'huile anoint une seule head, fois. Anoint your tongue. Tu oint ton front, tu oint ta langue. Cycle broken. Et tu déclares que ce cycle-là est brisé. And once you go to your seat, you just pray as the Holy Ghost will give you utterance. Et en retournant à votre place, vous allez prier selon que l'Esprit de Dieu vous conduit. Go to their seat first. Oh, they will rush the oil, okay. Your leaders know you very well. They say you should go to your seat first. Vos leaders demandent que vous alliez d'abord vous asseoir. So that there can be orderliness. Oui, pour qu'il y ait de l'ordre.
If you have infirmities, si vous avez des infirmités that has refused to heal, qui ont refusé de partir, at the touch of the oil today, they will heal mysteriously. Au toucher de l'huile aujourd'hui, ça va guérir mystérieusement. Because these are the days of Acts chapter 2 and Joel chapter 2. Parce que nous sommes dans les jours de Actes 2 et de Joël 2. Strange signs in the heavens and strange signs on the earth. Où il se produit des signes mystérieux étranges sur la terre et au ciel. I thought I was going to preach more on that this morning, but the Lord did not allow me. J'ai cru que j'allais prêcher beaucoup là-dessus ce matin, mais le Seigneur ne m'a pas permis. But the Bible says, "Test of the Lord and see that He is good." Mais la Bible dit, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. So as the oil comes, you will do that. Donc pendant que l'huile arrive, vous allez faire cela. Where are those that will bear the oil? Où sont les personnes qui vont porter le plat d'huile? Holy. All creation, they call you Lord. Worthy is your name. We worship your majesty. Lorsqu'on vous apporte l'huile, you can only dip once. Vous trempez vos deux doigts une seule fois. It doesn't matter how you dip. Peu importe la manière dont vous dipez. Si vous voulez tremper pour que ça remplisse bien les deux doigts, you can only measure it once. Vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. You cannot and will not be allowed to dip twice. On ne va pas te permettre de le faire une deuxième fois. The
two fingers. If you have a little child you are holding, si tu as un petit bébé que tu tiens, you can only dip once. Tu ne vas tremper qu'une seule fois. You will dip once for yourself and your child. Tu vas tremper une seule fois pour toi et pour ton enfant. You will immediately anoint yourself and anoint your child. Ça veut dire que aussitôt après avoir être oint, tu vas oindre ton enfant. And if you still want to lick one on your tongue, feel free. Et si tu veux toujours, tu veux lécher ton doigt, pas de problème. Mais tu ne vas pas tremper tes doigts deux fois. Don't forget, don't use your left hand. N'oubliez pas, n'utilise pas ta main gauche. None of them is permitted to anoint you with oil. Aucune d'entre elles n'est permis de t'oindre avec only de l'huile. You can submit yourself to the fellowship of the Spirit. Toi seul peux te soumettre à la communion de l'Esprit. The act of receiving and taking the oil by yourself. L'acte de prendre et de recevoir l'huile par toi-même. Announcing to the Holy Spirit, here I come. Annonce au Saint-Esprit, me voici, je viens. Into the covenant of your oil with you. J'entre dans l'alliance de ton huile avec toi. So that I can live and exist by you. Afin que je vive et que j'existe par toi. That way, nothing in your spirit will be transferred to you. Ainsi, rien dans l'esprit ne vous sera transféré. Only the oil shall speak to you. Seule l'huile va parler pour vous. So when you go and tell any of them, because some of you I know will do that, that they should anoint you themselves because you think they are holier than you. Je vous le dis pour que vous ne demandiez pas qu'elles vous soignent, croyant qu'elles sont plus saintes. Là, c'est toi-même qui te soumets à l'Esprit pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a déclaré depuis le commencement et qu'il le réalise maintenant dans ta vie. Can somebody say amen to that? Amen. The oils will come. L'huile va arriver. And then you will do as you are led. Et vous allez faire selon que vous after êtes conduit. Like après la relève. And let the congregation begin to step out from the front. Et que la congrégation commence à avancer depuis le devant. Let them anoint themselves and submit to the Holy Spirit. Qu'ils s'accordent et qu'ils se soumettent au Saint-Esprit. And call upon the Lord for a consecration. Et qu'ils invoquent le Seigneur pour une consécration. When you go back to your seat, begin to pray. Quand tu en rentres à ta place, sois en prière. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Have they given you the oil already? You guys are very fast. Ces gens. You are the first fruits of this oil. May the blessings of the first fruits rest upon you. Et que la bénédiction des premiers repose sur vous. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. You will take each one that is here, and each one shall be for a sign and for a wonder. You will control the four winds of the earth. And by it you shall establish the ordinances of the God of heaven. Thank you, Holy Spirit. Rest upon them now. I hear the Lord say, your jar shall never run dry of oil, now and henceforth and forevermore. In Jesus' name. I didn't hear the people say amen. Yeah. I want the congregation to stand up, everybody, wherever you are. La congrégation se mette debout. Can you stretch out your hands? Est-ce que vous pouvez lever votre main comme ceci? Can you stretch out your hands? Tendez vos mains ici. My father, I see a vision of you and the people. Mon père, je vois une vision de toi avec le peuple. I hear the Lord say, wherever the sole of your feet shall step upon. J'entends le Seigneur dire que tout lieu que foulera la plante de vos pieds shall lift away from les ténèbres vont disparaître de là. For I see written in front of you as you move. Car je vois écrit devant vous pendant que vous avancez. I see a stop sign. Je vois un signe being put upon every principality that rules over the nations. Marqué sur le principauté qui gouverne les nations. Et j'entends Dieu dire que vous allez les arrêter. C'est vous qui allez les stopper. Bold and be of a good courage. Ayez du bon courage. For the land you walk into has been given to you already. Car cela vous a déjà été accordé. I hear the Lord say. J'entends le Seigneur dire,
I will take you as individuals. Je vais vous utiliser comme des individus. And I will send you on messages. Et je vais vous envoyer pour délivrer on des messages. En mission. And I will command you what action to carry. Et je vais vous dire quelle action and accomplir. When you carry that action, et quand vous exécutez cette action, the principality of that place shall lift away. C'est la principauté de ce lieu-là vont partir. And I will establish you in those gates. Et je vais vous établir à ces portes. As the salvation of the gates. Comme le salut de la porte. Can you just wave your hand and say thank you, Jesus? Est-ce que vous pouvez balancer la main et dire merci, Jésus? I receive the blessings of this day. Je reçois les bénédictions de ce jour. I give you all the glory. Je te donne toute la gloire. I give you all the praise. Toute la louange. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Open your eyes and look at me. Ouvrez vos yeux et regardez-moi. I want you to check your body. Je veux que tu examines ton corps. Because it's like during this exercise. C'est comme si au cours de cet exercice, God perfected miracles all over the place. Dieu a rendu des miracles parfaits un peu partout. Yes, go ahead and give Jesus a big clap of hands. Oui, donnez une offrande d'acclamation au Seigneur. Let me tell you something. Je vais vous dire quelque chose. From today, you are the powerhouse of the Lord. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la source de puissance du Seigneur. That presence you are feeling now. Cette présence que vous ressentez maintenant. Shall never lift away. Elle ne partira plus. Each time you enter into a ground. Chaque fois que vous entrerez quelque part. Where God wants to activate you for action. Où Dieu veut vous activer pour l'action. The presence will hit you the way it is hitting you now. Là, sa présence va vous toucher comme elle vous touche maintenant. Each time you feel that presence hit you. Chaque fois que vous sentez cette présence vous toucher. Do something in that place. Faites quelque chose en ce lieu là. Don't leave without transferring that power. Ne partez pas sans transférer cette puissance. I release you for signs and wonders. Je vous libère pour les signes et les prodiges. I release you for signs and wonders. Je vous libère pour les signes et les prodiges. I release you for signs and wonders. Je vous libère pour les signes et les prodiges. Did the Lord not call you yesterday? Le Seigneur ne vous a-t-il pas appelé hier? As the healing of the nations. This year, cette année, is the year of your manifestation as a healing. C'est l'année de votre manifestation pour guérir. Say, I am the healing of the nations. Dis, je suis la guérison des nations. I am the healing of the nations. Je suis la guérison des nations. I am the healing of the nations. Je suis la guérison des nations. You must be careful to do everything out of a pure heart. Fais attention de tout faire avec un cœur pur. The king in Jeshurun. The king of righteousness. Ton roi est un roi de justice. Now, how many of you have confirmed? Combien d'entre vous ont confirmé that your healing has manifested in your body physically? Que ta guérison s'est manifestée physiquement dans ton corps? No, you don't understand what I'm saying. Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. If by the time you came to this conference, there were symptoms of one thing. Si avant de venir à cette conférence, tu souffrais des symptômes d'une maladie. And believe by faith et tu croyais par la foi que quelque part, avant la fin de la conférence, it will disappear. Ça va disparaître. And right now it has disappeared. Et maintenant, ça a disparu. Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Go ahead and give Jesus his clap. Donnez une offrande d'acclamation. Somebody shout hallelujah! Now listen. Maintenant écoutez. I am commanding you. Je vous ordonne. Not asking you. Je ne vous demande pas. Within 1 year, en un an, your camp must be built. Votre camp doit être construit.
The city of refuge must be built. La cité de refuge doit être bâtie. Every resource you get. Toute ressource que vous avez. I know you have obligation to your churches. Je sais que vous avez des obligations pour vers vos églises. But you will make a vow of 1 year. Mais vous allez faire un vœu d'un an. That half of what you give out to the Lord. Que la moitié de ce que vous donnez au Seigneur. In every place. Partout. That you have always given. Que vous avez jamais donné. Now, half of that will go to this city of refuge. La moitié va aller pour la cité de refuge. It has to be completed in 1 year. Ça doit être construit en un an. There are some of you here. Il y a certains d'entre vous ici. That God is ordaining to take whole structures and build them yourself. Nobody else. Que, à qui Dieu ordonne de construire à eux seuls toute la structure sans l'aide de personne. In our ministry, il y a une femme dans notre ministère that is building a whole hospital. Qui construit tout un hôpital. It is costing her right now 200 plus million. Ça lui coûte plus de 200 millions. 60 bed hospital. Un hôpital. She has done 80% and finished it. Elle a déjà achevé 80% des travaux. You hear what I said? Est-ce que vous comprenez ce que vous and dites? Right now, et maintenant, the wells of the world have been opened for her. Les richesses du monde lui ont été ouvertes. When she started, she didn't have that kind of resources. Quand elle avait commencé, elle n'avait pas ce genre de ressources. As I'm talking, mais en ce moment, I spoke to her yesterday. Je lui ai parlé l'année dernière. She is jumping from Canada to somewhere else and all over. Elle va du Canada pour partout. Australia. L'Australie to end in South Africa, pour finir en Afrique du Sud and the mandates of those nations have been handed over to her. Et on lui donne le mandat de ces nations. This is a woman. Ça c'est une femme married to a man, mariée à un homme that himself is a businessman, qui lui-même est un homme d'affaires. But from her wealth, mais de la richesse de la femme, kingdom is being built for God. Le royaume est bâti and pour God Dieu is expanding that kingdom. Et Dieu est en train d'agrandir and ce royaume. Somebody say, hey, je n'ai pas entendu dire Amen. When you take the step of faith, quand tu fais un pas de foi build God a house, pour construire une maison he à will Dieu build houses for you. Il va construire des maisons pour toi. Now, don't do the hypocritical one where you do in your church, ne fais pas les choses hypocrites que tu fais dans ton église and they write you on their notice board, et on met ton nom sur leur tableau d'affiche and give you a chieftaincy title, et on te donne un titre de chefferie. No, in that city of refuge, non, dans cette cité de refuge the memorial shall be written by heaven directly. Le mémorial sera écrit par le ciel. And the Lord will guide you as a living star. Et le Seigneur va te garder comme une étoile vivante. Aujourd'hui, if you think your company si or your corporation, si tu penses que ta compagnie ou ta société will do something and build an altar, va faire quelque chose et bâtir cet hôtel within 1 year, sur ce terrain en un an, and you are making that vow to the Lord, I want you to step forward and stand. Et si tu veux faire ce vœu au Seigneur, je veux que tu viennes devant. I've had a command from the Lord that in 1 year, parce que j'ai reçu l'ordre du Seigneur qu'en un an, city must be functional and working. La cité doit être fonctionnelle et marchande. So if you want to commit unto the Lord, alors si tu veux t'engager au Seigneur and enter into a covenant, et entrer dans une alliance, that the Lord will help you take projects there, où le Seigneur va te permettre d'accomplir des projets. Out and join me here. Je veux que tu avances et que tu te joignes à Father, nous ici. Open the gates of heaven now. Père, ouvre les écluses des cieux maintenant. And let the book of records be open. Et que le livre de souvenirs soit ouvert. Let me describe that writes names in heaven. Oh, qu'il écrive des noms au ciel. The Lord is the strength of your life. Le Seigneur est la force de votre vie. He is the dwelling place of your anointing. Il est la demeure de votre onction. Therefore, your lives will never be undermined. Par conséquent, vos vies ne seront plus the sous-estimées. Enemy shall not steal upon you by day. L'ennemi ne vous volera plus la nuit. Neither shall the horrors of the night rest upon your homes. Ni la terreur de la nuit whatever sur vos maisons. Whatever is a torment in your lives, quel que soit le tourment sur vos vies, I bring down judgment today. Je fais descendre le jugement by aujourd'hui. Your sacrifice, par vos sacrifices, upon that torment. Tu sais tout man. And I command it to fall in the name of Jesus. Et que cela tombe au nom de Jésus. That which you are holding, that which the Lord is helping you to promote, ce que le Seigneur te donne de promouvoir today, aujourd'hui, I command, j'ordonne, that the wells that were meant to sustain it,
que les richesses qui étaient censées les soutenir, let them begin to open all over the world. Qu'elles s'ouvrent de partout dans le monde. I destroy territorial boundaries in your life. Je détruis les barrières territoriales de ta vie. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Shall the media not proclaim what you do? Est-ce que les nations ne proclameront pas ce que tu fais? Not rise to celebrate you? Est-ce que la terre ne vous célébrera pas? In 1 year, en un an, I see the chariots of heaven coming upon you. Je vois les chars du ciel descendre vers vous. The chariots of fire. Des chars de feu. And I see them bringing with them. Et je les vois emporter avec eux. The treasures of glory you have never known. Des trésors de gloire qu'on n'a jamais connus. My father, right now. Mon père, dès maintenant. Begin to clothe them. Clothe them for me. Seigneur, habille-les. Bring me one of those oils. Apportez-moi de l'huile. For the Lord is up to something mysterious. L'une de ces bouteilles d'huile. The Lord is up to something mysterious. Parce que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de mysterieux. The Lord is up to something mysterious. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de mysterieux. I hear the Lord say, build me a kingdom. Quand le Seigneur dit, bâtissez-moi un royaume. Build me a kingdom. Bâtis-moi un royaume. Build me a kingdom. Bâtis-moi un royaume. By the works and the sacrifice you are making now. Par les œuvres et les sacrifices que vous faites maintenant. Kings shall be born. Les rois vont naître. And because of that. Et à cause de cela. I hear the Lord taking an oath between him and your families. J'entends le Seigneur faire un serment entre lui et votre famille. That from your own loins. Que de vos propres reins. Your own houses. Votre propre maison. Kings shall never cease to be produced. Les rois ne cesseront pas d'être reproduits. Kings shall never cease to be produced. Les rois ne cesseront pas d'être reproduits. Kings shall never cease to be produced. Les rois ne cesseront pas d'être reproduits. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. If you don't mind, si ça ne vous gêne pas. And the Lord say, let the covenant be sealed by oil. Le Seigneur dit que l'alliance soit scellée par l'huile. Today I anoint you for a sign and a wonder. Aujourd'hui je t'oins pour le signe de la vie. Au nom de Jésus. I anoint you for a sign and a wonder. Je t'oins pour les signes et prodiges. I anoint you as a finger of the Most High. Je t'oins comme un doigt in du the name of Jesus. Au nom de Jésus. I release you as a divine consecration. Je vous libère comme une consécration. The heavens and the earth shall celebrate you. Les cieux et la terre vont vous célébrer. His glory shall not be taken away from your life. Sa gloire ne sera pas ôtée de votre vie. They that fight with you for your inheritance. Ceux qui combattent avec toi contre ton héritage. They shall not find you. Ils ne vont pas te trouver. They shall not discover the mystery of your dwelling. Ils ne vont pas découvrir le mystère de ta demeure. You, ils ne vont pas te voler. C'est ta joie. See power now to break new grounds in the name of Jesus. I release you as a sign. Je te libère comme un signe. My father, mon père. That which causes depression. Ce qui cause la dépression. Those things that are agitating your daughter, looking for trouble. Ces choses qui agitent ta fille et cherchent des problèmes. And trying to diminish the glory in her life. Essaie de diminuer la gloire dans ta vie, dans today, sa vie. Let the earth find them and vomit them. Aujourd'hui, que la terre les trouve et les vomisse. That which is trying to make. Ce qui essaye de faire que tes bénédictions ne se manifestent pas pleinement. Today, in the name of Jesus, I curse them out of your life. I curse them out of your life. Let the limitations disappear. In Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy God. Jesus. I hear the Lord say, I will make you complete. J'entends Dieu dire, je vais te rendre complète. I don't know the meaning of this. Je ne sais pas ce que ça veut dire. But I hear him say, I will make you complete. Mais je l'entends dire, je vais te rendre complète. It's the vow I hear from on high. C'est le vœu que j'entends du ciel. A surprise is about to take place in your life. La surprise est sur le point de se produire dans ta vie. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. I give you all the glory. Je te rends toute la gloire.
I release you for signs and wonders. Je te libère pour les signes et les prodiges. I release you to see goodness. Je te relâche pour que tu vois la foule. De la In the divinité, name of Jesus. Au nom de Jésus. Your nets have not ceased spreading. Donc, les filets n'ont pas arrêté de s'étendre. I see expansions around you. Je vois l'expansion autour de toi. L'expansion autour de toi. L'expansion. I see you opening offices. Je te vois ouvrir des bureaux. In foreign countries. Dans des bureaux et dans des pays étrangers. Oh, I see you at least sitting in one. Et je te vois assis dans au moins un. Looks like your own. Your name is written in it. Et ça t'appartient, ton nom écrit là. I don't know what is going to happen. Je ne sais pas ce qui va se passer. Let your destiny find you now. Que ta destinée te trouve. In the name of Jesus. Amen. Receive executive powers. Receive executive court power. Reçois une puissance de commandement. Because I see executive powers. Parce que je vois des puissances de commandement. I give you the glory, Lord. Je te donne toute la gloire, Seigneur. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. The spirit of marketing shall prosper in your own life. L'esprit du marché va prospérer dans ta vie. I don't know what you are marketing. Je ne sais pas ce que tu vends. Or what you will market. Ou ce que tu vendras. But there is a spirit of marketing. Mais il y a un esprit de vente. And I see the Lord make a river for it. Et je vois le Seigneur en faire un fleuve. And turn it as a blessing. Et la transformer en bénédiction. To the nations of the earth. Aux nations de la terre. I hear the Lord say. J'entends le Seigneur dire. Have an unlocking anointing. Que tu as une onction pour ouvrir, to unlock things, open doors. Pour ouvrir des choses, ouvrir des portes. And I release you. Et je te relâche to dwell in the fullness of that glory. Pour demeurer dans la plénitude de cette gloire. To dwell in, hey, I hear the Lord speak of acceleration, acceleration. J'entends le Seigneur dire accélération, accélération, accélération. There is a speed that is going to overtake. Il y a une vitesse qui va se saisir de toi. A speed. Une vitesse. Une vitesse. In the day when you are being celebrated, le jour où tu seras célébré, don't let pride come in. Ne laisse pas que l'orgueil vienne. Protect yourself from pride. Protège-toi de l'orgueil. For there be men that will rise up. Parce qu'il y a des hommes qui vont s'élever. To become thorns out of jealousy. Par jalousie pour devenir des épines. The brightness of that glory that is set upon you. Pour voler la gloire de cette étincelance qui vient sur toi. Mais j'entends le Seigneur dire qu'en ce jour, I will consume them with the spirit of my mouth. Je vais les consumer avec l'esprit de ma bouche. I will set a fire that will trouble them. Je vais allumer un feu qui va les troubler. They will try to make you cower. Ils vont essayer de te rendre lâche. They will try to make you feel inferior. Ils vont essayer de te rendre inférieur. And that day I shall turn them into ashes. Mais en ce jour, je les réduirai en cendres. That day you will know the Lord your salvation. Et tu sauras que le Seigneur est ton salut. He had answered you. Qu'il t'a exaucé. He had answered you. Qu'il t'a exaucé. Even in the marketplace. Même en public. Say the Spirit of the Lord. Ainsi dit l'Esprit du Seigneur. Say the Spirit of the Lord. Ainsi dit l'Esprit du Seigneur. Father, I give you glory. Are you standing with them or you are helping them? You are standing with them. I release you therefore. Je te relâche par ainsi. You will go. Tu vas aller élever une pierre angulaire. The cornerstone might become a blessing. Pour que la pierre angulaire devienne une bénédiction. And you will become a worker. Et tu deviendras un ouvrier. That changes things. Qui change les états. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. I hallow you for miracles unto the Lord. Je te mets dans les miracles du Seigneur. The doors that didn't open before. Les portes qui ne s'étaient pas ouvertes avant. They will look for you in these 3 months and open. Elles vont s'ouvrir dans bientôt. And the Lord shall speak a new thing in your life. Le Seigneur déclarera une nouvelle chose dans ta vie. The Lord shall speak a new thing in your life. Le Seigneur dira une chose nouvelle dans ta vie. And the, Jesus.
J'entends le Seigneur dire, I shall recover your path for you. Je vais te récupérer ton chemin pour toi. Je vais te récupérer tes voies. I shall recover your path for you. Je récupérerai ton chemin. I do not know the full implication of what he says. Je ne sais pas toutes les implications de ce qu'il dit. But you are on the road to recovery. Mais tu es sur le chemin du recouvrement. The humiliation shall speak no more. Et l'humiliation ne se manifestera plus. I anoint you. Je t'oins. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Were you not ordained to raise crowns for the master? N'as-tu pas été suscité pour produire une couronne pour le maître? Crowns that kings wear. La couronne que les rois portent. You shall not get distracted. Tu ne seras pas distrait. You shall not get distracted. Tu ne seras pas distraite. For I see a distraction. Car je vois une distraction. You shall not get distracted. Ne te laisse pas distraire. Reject it and the heavens will open before you. Rejette cette distraction et les cieux and vont s'ouvrir devant toi. Et ce jour-là, in that day, ce jour-là, in that day, en ce jour-là, you shall make kings out of men. Vous produirez des rois. I do not understand the meaning of this. Je ne comprends pas toute l'implication but de ceci. The Lord knows what he says. Mais le Seigneur sait ce qu'il dit. I therefore anoint you also. Je vous joins donc. And I release you et je vous relâche as the finger of the Lord. Comme le doigt du Seigneur. I hear the Lord call you a platform. J'entends le Seigneur vous appeler une plateforme. I don't know what he means by platform, but you are a platform. Mais vous êtes une plateforme. Can you take care of your head? Yes. I consecrate you for this. Je vous consacre pour cela. And I release you to find your blessings. Et je vous relâche pour trouver votre bénédiction. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I want all of you who are standing outside, can you just raise your hands, please? I thought you came to watch over there. You know, you stood away from there. Okay, because of the one that was lying down. No, that's fine. You looked so far away that I thought, Mama, you know, you are a watchman. No, that's okay. Allow me. I release the gift of life unto you. Je libère le don de la vie en vous. And I say, sources you didn't expect. Et je dis les sources que vous n'attendiez pas vont venir pour payer ce vœu. Et elle vous construira des maisons. Dis l'Esprit du Seigneur. Holy Ghost fire. Fire fall on me like in the day of Pentecost. Fire fall on me as in the day of Pentecost. The hand of the Lord shall not lift away from you. La main du Seigneur ne te retirera pas de toi. Holy Ghost. From the fullness of Shiloh. De la plénitude de Shiloh, il y aura la manifestation de ta vie et la manifestation de ta vie. Shall many children not yet be born of you? Beaucoup d'enfants ne sont pas born of you. There are yet blessings that are coming. There are yet blessings that are coming. Fire fall on me. A river shall rise and flow. Une rivière coulera. And that river shall be for the healing of the nations. Elle sera pour la guérison des nations. And that river shall bring you healing also. Elle vous apportera force la guérison. That river shall bring you healing. Elle vous apportera la richesse. C'est le Spirit of the Lord. Dis l'Esprit du Seigneur. As in the day of I release you. Je vous relâche. Fire fall on me. As a star of Israel. As in the day of étoile d'Israël. For the Messiah shall be fall on me.
the Lord shall not cease. Et le Seigneur ne cessera pas to find the place of prostitution. De trouver en vous un esprit brisé. For in your name, God will gather for himself strength. Le Seigneur va réunir les âmes de la terre. He shall cover the earth. Et sa gloire va couvrir la terre. As the waters cover the sea. Comme les eaux couvrent les océans. I release you therefore. Je vous libère donc. Let all things become complete in your life now. Que tout devienne complet dans votre vie. The completion of all things. L'accomplissement de tout. The completion of all things. L'accomplissement de tout. Au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. I want all of you to raise your hands, please. Levez les mains. My Father, mon Père, you will carry these hands from here. Tu vas transporter ces mains d'ici. None of them shall cease. Et aucune d'elles ne cessera. To produce or bring in harvest. De produits pour la moisson. Even when all the fountains are dry, même quand toutes les fontaines sont séchées, their dwellings shall never be dry. Leur demeure ne sera their pas séchée. Fountains shall never be dry. Leur fontaine ne sera they pas séchée. Are the jars that never run dry. Il y a des coups qui ne sont jamais. Of Jesus Christ, au nom de Jésus, I release you with a mandate from heaven. Je vous libère, relâche avec le mandat to build du ciel God a kingdom and a house. Pour bâtir à Dieu un royaume et une maison. And to finish it. Et pour l'achever. In Jesus name. Au nom de Jésus. Let all the people say amen. Que tout le peuple dise amen. I thought I started with you. I thought I started the oil with her. I didn't start with her. Oh no, he touched her. I knew. He touched her. Where was he? She just coming out. I didn't see her. No, you came out after I finished pouring oils here. It's not late. You came out after. So that you know the oil has touched you. I release that upon you now. Je libère, je relâche cela sur vous maintenant. Anna, amen. It was because I saw the drop touch you. I don't need a whole bucket on your head. Can you raise your two hands, please? Can you say, by me, O God, dig a well and fill it up. And fill it up. And let its waters be sweet. And let its waters give life. By me, O God. By me, O God. In Jesus' name. I seal that cry. And I release you in a holy commission. Je te relâche dans cette sainte commission. Le but pour lequel vous êtes né. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Now I want all of you to listen. Not no, you can go to your seats. If you please, if you want to write your names and your addresses for them, get a paper. S'il vous plaît, vous pouvez remplir vos noms et vos adresses. Attendez un peu. Can you stop where you are? They are following you to give you papers. Just collect the papers from them and then you can go to your seats. Récupérez les papiers, s'il vous plaît. Write those names, telephones, address, emails. Les noms, téléphones, les adresses, les emails. Pass it to them et remettez-les. Et qu'elle prie pour vous. Because God said one year, every one of us present and those who have left, you will write everybody letters in all the nations. Donc vous allez envoyer des lettres à toutes les nations. You will be sending the harvest as the Lord gives to you. Vous allez leur envoyer la moisson comme le Seigneur vous en donnera. For the building of that city of refuge. Pour la construction de cette cité de refuge. You have one year. Vous avez un an. You have one year. Vous avez un an. For the days when that place will be a defense upon your lives. Pour le jour où ce lieu sera une défense pour vos vies. Will come after that one year. Ça va arriver après cette année. That is why you must build it with all the urgency that is. C'est pourquoi vous devez la construire avec toute l'urgence possible. The days when it will become the covering for your lives. Le jour où cela deviendra une couverture pour vos God vies. God will bless everyone that sends harvest there. Le Seigneur bénira tous ceux qui enverront une moisson. Somebody aussi. Shout hallelujah. Alléluia. I think my work is finished here today. Je pense que mon Come on, let's give Jesus a big clap offering. Donnez une grande offrande d'acclamation à Jésus.